Commencez pas à me dire y a pas de couleur, je sais pas quoi. Le cododo, c'est un chicot. Je sais pas pourquoi ça m'a toujours fait rire. Attendez, je vais être démonétisée. Il y a pas de vidéo en ce moment. Coucou Nick. Parce que, ouais, j'ai envie de dire comme ça. Voir t'es comme ça, toi. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien mes amours. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de faire. Tu connais la rengaine, parce que moi quand je fais une vidéo, c'est toujours que j'ai hâte de la faire. Puisqu'aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo tant attendue que vous m'avez archi demandé. C'est le room tour de la chambre de bébé. Mais surtout mes amours, avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous parler de ce fauteuil qu'il y a juste derrière moi, où je suis hyper confort. Tu dois dire mais ça y est, il y a les trois lésances, c'est un trop. Parce que ce fauteuil de chez Flexispot, c'est le XC6. Et je vais vous le présenter parce que depuis que je suis enceinte, vraiment c'est mon allié, genre je le quitte pas. Un confort mais je suis vraiment trop bien. Donc mes amours, ce fauteuil, je vais vous le montrer, je vais vous faire des petits plans, etc. Il est disponible en plusieurs teintes et aussi en plusieurs modèles. T'as le XR6, il me semble. Ici, on est sur le modèle manuel et il est juste pépite. Donc ce qu'il y a de trop bien mes amours avec ce fauteuil, c'est que comme vous le voyez, il est inclinable. Donc tu peux t'allonger comme ça, tu peux mettre tes jambes en long. Mais aussi vu qu'il est bien large, tu peux les mettre de côté, tu peux te mettre en tailleur, tu peux te mettre dans toutes les positions. Il est conçu pour être vraiment comme tu veux, à l'aise dedans. Donc là c'est parfait pour lire, pour regarder la télé, pour faire la sieste. D'ailleurs j'ai trop envie de faire la sieste. Mais aussi du coup ce qui est trop bien, c'est qu'il fait balancelle. Tu peux aussi bouger comme ça de gauche à droite. Donc l'inclinaison, trop bien. Mais vraiment ce qu'il y a de top top top, encore une fois, c'est le confort, la qualité aussi du tissu. Moi je le prends en beige, que vous connaissez ma passion pour le beige. Et du coup je me dis, quand j'aurai mon petit bébé, pour l'allaiter ou lui donner son biberon, etc., du coup j'ai fait le petit coin cocooning ici dans le salon. Et franchement, mais pépite. Donc voilà les filles, franchement je vous assure, c'est vraiment un super investissement. Si tu veux être confortable, tu veux kiffer ta life, je vous mets toutes les informations en barre de description concernant le fauteuil Flexispot XC6. Voilà, tout de suite on va se retrouver avec le room tour de la chambre. C'est parti. Toujours la même intro dans les room tours, c'est dinguerie. Mes amours, c'est parti. Du coup on va vous montrer la chambre de bébé. Je vais ouvrir les rideaux pour que vous voyez mieux, mais je voulais vraiment bien mettre et tout pour que voilà, vous voyez la chambre. Je vais pas tout vous spoiler tout de suite, mais vas-y, rentrez. Donc on voulait dormir avec le bébé au moins jusqu'à 6 mois. Et en plus de ça, cette chambre elle est idéale parce que c'est une suite parentale. Il y a le dressing qui est juste là et il y a la salle de bain qui est aussi collée à notre chambre, une des salles de bain. Donc aussi c'est tellement plus pratique, parce que juste au bout du couloir on avait une autre pièce où on pouvait faire une chambre que pour le bébé, mais dans les premiers mois elle aurait servi à rien. Donc là on commence ici, mais vous allez voir, vraiment il n'y a plus rien à nous. Par la suite on changera de chambre. C'est parti. Ici on a l'espace, bon il faudra que je relave tout avant l'accouchement. On a l'espace table allongée, etc. Tranquille, la nuit et tout, on peut le changer dans la chambre. Pas de côté parce que vas-y, hein, j'ai 10 kilos en plus, ça commence à se voir. Non, c'est sûr. Okay. Je vais pas vous donner peut-être toutes les rêves, mais je sais que vous allez me les demander, c'est le problème. Suivez-moi surtout sur Insta parce que là-bas je vous donne à chaque fois toutes les rêves. Je vais essayer de vous retrouver des rêves de tête, mais... Donc j'ai mis petit matelas allongé avec la petite housse Jolene, parce que ça, avec les nounours. Vous allez voir, nous c'est thème nounours, lapin et nuages. Ensuite on a mis un petit portant comme ça que j'ai acheté chez Orchestra, et ça vient de chez Child Home, qu'on a rajouté dessus. C'est trop beau, et comme ça je me dis quand je vais le changer, il va être bien, voilà, il va être bien occupé. Commencez pas à me dire il n'y a pas de couleur, je sais pas quoi. Je vais m'habiller en fluo, comme ça il va en voir des couleurs. Ensuite ici j'ai mis une petite panière avec tous les produits pour le nettoyer et tout. Donc là j'ai pris tout ce qui est Mustela, mais j'ai pris aussi des l'arrosé, puisqu'on verra ce qui lui convient le mieux. Là c'est un thermomètre, il y a son petit doudou qui est encore emballé, mais tu verras mieux. Son petit doudou que vous avez vu dans la vidéo où j'avais acheté les premiers trucs de bébé, c'était un des premiers trucs que j'avais acheté, il est trop trop beau. Donc ça pour le moment je le mets là. Et là on a une petite trousse où à l'intérieur je mettrai tout ce qu'il faut pour la maternité, pour le bébé. Elle est trop belle. Ça vient de chez Béaba. Ensuite petite boîte à musique comme ça, parce que j'adore. Là mes amours, on a mis deux étagères nuages que j'ai acheté chez Atmosfera. Et dessus j'ai mis des petits décos, il y en a qui viennent de chez BM, le cadre là-bas il vient de chez Action, il est trop mignon avec un ours. BM, H&M, BM. Et ça c'est une marque qui me l'avait envoyé, je sais plus, une petite marque, la petite veilleuse. Elle est trop trop belle. Ensuite ici pareil, les deux petits paniers en nounours Jolene. Et dedans, c'est trop mignon. J'ai mis un petit Miffy qui vient de chez Emma. Ça vient de chez H&M. Et ça c'est pareil, une marque qui avait envoyé petit doudou.
Ça vient de chez Orchestra. C'est le seul truc de couleur qu'il y a dans ma déco. Donc respectez-moi. Petit sac. Regardez mon premier sac. C'est Béaba. Ça vient de chez Béaba. C'est incroyable. Et pareil, on a une autre boîte à musique de chez H&M. Voilà. Et à l'intérieur, du coup, mes amours, j'ai essayé de tout ranger. Donc, j'ai mis tout ce qui est attache tutut. Regarde comme c'est trop beau. Des petites tétines ici. Là, c'est toutes les petites paires de chaussettes. Les petites mouches pour pas qu'ils se griffent. Deuxième tiroir, j'ai rangé tout ce qui est linge, linge encore, tous les bavoirs et linge. Vraiment, j'ai pris beaucoup de linge. Troisième tiroir, c'est tout ce que j'aurais besoin pour moi. Donc c'est vraiment un tiroir à bordel, mais c'est tout ce qui est pour la maternité, vous voyez, pour les déchirures, pour l'allaitement. Ça, mes amours, c'est quand j'aurai accouché. Au lieu de mettre des serviettes, je vais mettre des couches anti-fuite urinaire. J'aurai une couche, moi aussi j'aurai une couche, comme ça je serai assortie à mon bébé. Voilà, en blanc et en noir, pour être fashion, quand même. Ici... on a tous les bodys, enfin pas tous les bodys mais une partie des bodys. Ici c'est tout ce qui est nécessaire pour le changer et tout. Et ici, j'en ai déjà pris pour la maternité mais c'est tout ce qui est serviettes de bain, gants de toilette, trop mignon. Ici c'est les draps pour le lit, pareil ça c'est des pour changer les housses du matelas à langer. Et voilà hein. On passe ensuite mes amours à l'espace dressing. Et là vraiment je me suis lâchée parce que apparemment mon bébé il a déjà plus d'habits que beaucoup d'entre nous. Du coup toute la structure et tout je l'ai pris chez Ikea et on l'a fait nous-mêmes en fait. Et là il y a beaucoup de vêtements je suis d'accord mais il y a du 1 mois au 6 mois. Je vais vous montrer 2-3 vêtements pour pas passer 1000 ans mais il y a des trucs trop mignons. Pour ça, vous pouvez imaginer mon fils dedans. Ah Swan et Lilou pareil on a acheté grave ça. Tout ce qui est petit gilet comme ça et tout. Trop beau. Et qu'est-ce que je peux vous montrer qui est trop mignon? Mini pyjama Miffy. J'ai trop envie de le prendre pour l'accouchement mais j'ai peur qu'il soit trop gros et qu'il rentre pas dedans. C'est vrai, tu peux prendre en plus. Bah sinon j'ai lui mais je l'ai pris en 3 mois. Trop beau. Je suis désolée, j'ai trop de goût. Bref, moi je suis partie que sur du beige et tout, des tenues un peu classe parce que en fait je voulais pas des marques et tout, je préfère un bébé classe. Et là on a deux petites panières comme ça qui viennent de chez H&M et à l'intérieur j'ai mis ces petits jouets. Là pareil, c'est des petits livres et des petits jouets, voilà quoi. Premier tiroir du dressing, c'est tous les petits chaussons. Regardez celle-là, elle vient de chez Action, elle c'est trop mignonne. Pas besoin d'être riche hein. Et les bonnets, bref ici c'est ses petits pantalons. Et là c'est les petites couvertures. Regardez, ce sera son premier jean. C'est du 0,3 mois. C'est pas trop mignon. Mais de toute façon je vous ferai des hauls. Voir t'es comme ça toi. Tu peux même pas me montrer la survêt. Ah si je vais le montrer parce que c'est ça c'est le papa qui a voulu. Je vais vous montrer mes amours juste ça. C'est trop mignon. C'est un petit jogging Lacoste. Mais par contre c'est du 3-6 mois. Mais regardez. Non c'est du 6 mois. Ça avec ça ça fait tout. C'est le mini sac de sport. Et ensuite ici un mini body polo. Trop beau. Bon ça on a encore le temps de lui mettre par contre. Ouais. Ici c'est tout ce qui est gigoteuse et les trucs pour le bah pour dehors quand il fait froid et tout. Et dernier tiroir, couverture, des cintres. Et vraiment, ça je tiens à vous le montrer parce que mon bébé, la dernière échographie qu'on a vue, il ressemblait à Drake. Du coup on lui a pris le petit pyjama, mais c'est du 3 mois. Mais regardez, faut l'imaginer, trop mince, incroyable. Donc mes amours, ensuite ici on passe au coin un peu cocooning. Parce que, ouais, j'ai envie de dire comme ça. Parce que là, en fait, on a le la balancelle. On va mettre des... Attendez, je vais être démonétisée. Je fais déjà pas de vidéo en ce moment. Bref. En fait, c'est la balancelle qui est comme ça et qui pourra balancer bébé avec des petits trucs que j'ai rajoutés. T'as vu, j'ai rajouté ça, c'est trop beau, ouais. Et ça, c'est une joie. Elle est trop belle. Ça, c'est la seule chose que j'ai laissé choisir, mon chéri. Et c'est beau, en plus. Ici, en déco, j'ai mis mini traveler. C'est trop beau. C'est trop trop beau et ça va chez Shield Home. Pour les rideaux, ils sont trop beaux aussi. Il y aura trop trop beau parce que vraiment c'est ma passion sur terre de décorer la chambre. Mais je les ai trouvés chez Action et ils sont en nounours. Vous voyez comme ça ils suivent trop avec le thème. Comme quoi vraiment chez Action on peut trouver des trucs incroyables. Et ici je vais mettre des embrasses, je les ai pas encore reçus. Mais c'est des embrasses avec une tête d'ourson. Après on va peut-être pas abuser dans les oursons. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, la commode que je vous ai montrée au tout début, elle vient de chez Ikea. Celle-là elle vient de chez Ikea du coup. Et les petits boutons ils viennent de chez Amazon. On les a tous changés. Et là on a encore une panière de chez Jolene. J'ai mis ma poubelle à couche pour le moment dedans, mais elle va aller là-bas près de la table à langer. On a choisi celle-ci. Elle est trop bien parce que quand elle se ferme, on sent plus le caca. Et la panière, c'est juste pour mettre le linge sale, pareil, ça ira à côté de ça, mais pour le moment, je l'ai laissé là. Ensuite, le seul côté qui nous reste, c'est-à-dire le lit pour dormir avec bébé. Ouais, je vais pas faire chier bien le lit. Hein.
Mais voilà, j'ai mal partout, ça se comprend. Donc mes amours, j'ai toujours laissé le coffre de lit beige parce que du coup je trouve qu'il allait bien avec la chambre. J'ai juste changé, j'ai mis deux petits coquillages. Et ça c'est juste pour la touche glamour. Et après j'ai mis un petit lapin encore. Dans le lit, il y a mon coussin de grossesse que j'ai depuis le début de la grossesse, que je peux pas dormir sans. Les petits coussins, on les a mis pareil en nounours, ils viennent de chez B&M. La housse de couette B&M, et pareil, on a mis tout beige. Putain, avant j'étais en mode full rose si vous vous souvenez. J'ai enlevé ma coiffeuse et tout, vous vous rendez compte? Là si vous voulez un room tour de ma pièce beauté maintenant parce qu'elle est encore plus incroyable, dites le moi en commentaire. J'ai un petit sac H&M et dedans j'ai mis tout le nécessaire pour le changer. Aussi avec un petit plaid et tout. Parce que je me dis que ben, quand on devra se transporter la journée, qu'on sera en bas, on va pas à chaque fois remonter à la table allongée. Donc il y aura un autre tapis allongé en bas. Aussi la seule chose que j'ai laissée du coup c'est ma petite table de nuit parce que dessus bah je vais mettre mes boissons et tout, faut pas abuser. Et tu vas dire bah il va dormir où et tout. Et ben on a pris un cododo. Ce qui est trop bien c'est que on peut baisser ici et on colle le lit au nôtre et en fait on dort avec bébé. À savoir que dedans j'ai mis un petit couffin. Enfin à la base le lit il est comme ça, il a un drap que j'ai mis le même que la table allongée. Mais là j'ai mis ce petit couffin de chez Nagel. Il est incroyable, il est trop beau comme ça. Pareil s'il dort le matin j'ai plus qu'à le prendre et descendre, je suis pas obligée de le réveiller. À l'intérieur une petite couverture ourson de chez Béaba. Un petit nounours Jolene, trop beau. Et la petite boîte à musique avec le bras. Bref je vous avais montré, j'ai dû l'acheter à part sur Amazon. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bras qui vont sur le cododo. Du coup Amazon et ça c'est Jolene aussi. Le cododo c'est un chicot. Je sais pas pourquoi ça m'a toujours fait rire cette marque. Voilà et là on a mis un petit miroir qui se bat en duel à côté de la vis. On va mettre autre chose mais il vient de chez Action. Donc je vous montre quand même si jamais ça vous intéresse. Parce que pareil il est en nounours, il est trop trop beau. Là il y a toujours mon côté miroir que j'ai laissé. Parce que bon en vrai ça agrandit quand même la pièce. Sachant que la chambre elle est pas petite mais elle est pas grande. Donc je le laisse quand même. Et ici on a un petit bac lapin. Ou pareil je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Mais en attendant j'ai mis des trucs que je sais pas où mettre. Comme la lessive pour le bébé. Attendez mes amours je vous montre parce que là par terre aussi, j'ai reçu ce trop beau tapis de Béaba et Child Home. Incroyable, c'est un tapis d'éveil. Et en fait, dessus, quand il sera un tout petit peu plus grand, je pourrai mettre son arche. Et du coup, il pourra aussi jouer dessus. Et ça, c'est trop bien. Il est trop beau. Du coup, j'ai acheté ça parce que je me suis dit, ouais, je vais faire comme toutes les daronnes et tout. Elles portent tous un bola. Ça fait genre vraiment bouger, je suis enceinte. Parce qu'il y en a, ils sont enceintes de 2 mois, ils te mettent un bola à l'enfant. Non, tu fais sonner la cloche. L'enfant, il a même pas. Tu fais sonner la cloche, je suis enceinte. L'enfant, il a même pas bord d'oreille. C'est un bola. Non, ça se fait pas. À la base, c'est pour bercer le bébé. Et du coup, je me suis dit, je le prends et tout. Mais finalement, je le mets jamais. Parce qu'il est tellement agité, ce bébé, que je le laisse tranquille. Et du coup, la pièce maîtresse, mes amours, que je tiens, j'y tiens, c'est ça. Mon sac pour la salle de naissance. Je l'ai rempli sur TikTok si vous voulez voir ce que j'ai mis dedans. D'ailleurs, il est trop trop beau. Pareil avec des petits nounours. Et ma valise. Voyez, je vais la faire cette semaine avec vous. Ma valise. Dedans, il y aura tous mes affaires pour la maternité. Ce sera le jour de la délivrance. Là, il reste un mois au moment où je tourne cette vidéo. Donc, il peut venir à tout moment. Donc, mon sac sera prêt, il n'y aura plus qu'à sortir. Donc voilà mes amours, c'est la fin du room tour de bébé. Je voulais pas trop vous le faire sur YouTube parce que je me suis dit c'est bon la chambre elle est petite. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de trucs à montrer dedans. Et puis vous m'avez tellement demandé que je me suis dit allez je la fais. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. N'oubliez pas du coup pour FlexiSpot et le fauteuil que je vous ai montré au début de vidéo, tout est en barre de description. Il est trop trop bien vraiment, vous allez pas regretter, il est incroyable. Confort au top et là moi j'en ai bien besoin. Et ensuite mes amours, nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous, je réponds à un max de commentaires. Je fais plein de gros bisous et dites-moi ce que vous pensez de la chambre de bébé dans les commentaires. Ça fait 2 fois que je dis commentaires. Bisous.